On va se rendre à Blanche Rive pour forger encore plus de trucs. Et ne surtout pas oublier de buter tous les animaux sur la route. Chaque animal buté sur la route permet d'avoir plus de cuir et donc de se rapprocher du niveau 100 de forgeage. Mais il n'y a pas d'animaux C. Oh, let's go! Des animaux qui viennent à moi! Go buter le loup! Et en plus, là-bas, il y a des géants. Enfin, il y a un mammouth, mais il y aura peut-être des géants. Et s'il y a des géants, les géants, ils ont toujours plein de peau sur eux. Et ça, c'est lourd. Sangoulex qui vient de donner un abonnement. Merci beaucoup à toi, monsieur. Merci beaucoup à toi. On va buter le mammouth aussi pour farmer le une main. Oui, je joue sans fast travel, ça fait partie des règles. Oh, let's go! Peau de cheval, peau de chèvre. Et ça, c'est pas ouf. Et dans le géant? Oh, c'est une grande déception. Bon, on va buter le mammouth pour la peine, mais il l'a cherché. Comment je fais pour avoir des binds? Il faut que tu ailles dans ton menu de favoris. Et une fois que tu es dans ton menu de favoris, tu lis le truc à une touche. C'est tout simple. Désolé Aldé, j'ai pas les moyens, mais le cœur y est. Ne t'en fais pas. Si tu n'as pas les moyens, je suis Dove humain, l'enfant d'humain. Il y a Dovahkiin, l'enfant de dragon, et Dove humain, l'enfant d'humain. Et moi, en tant qu'enfant d'humain, je peux absorber l'âme des mortels. Donc tu peux toujours me donner ton âme. Ne t'en fais pas. Il y a toujours une solution. Sangoulex, merci d'avoir donné un abonnement au mec aigri. Et il faut... merde, où est-ce que je suis? On pourrait passer par là. Les petits camps de géants, ça ferait pas mal de peau sur la route. Mais non, Dova, ça veut dire dragon. Alors ça, c'est toi qui le dis, et t'as aucune preuve. C'est certainement vrai, mais t'as pas de preuve. Du coup, je décide de dire que tu mens. Tu ne peux rien faire face à mon argumentation. À partir du moment où je traite mon opposant de menteur, il a automatiquement perdu. Tu ne peux pas gagner. Ou j'ai raison, ou tu es un menteur. Il n'y a que deux possibilités. Rhétorique plus mid, exactement. Tu ne peux pas gagner contre quelqu'un qui te traite de menteur dès qu'il commence à perdre. C'est impossible. Et j'abuse de cette technique. Ah, la crypte de Sombreval, la fameuse. On va continuer d'aller en hauteur. Ça me permettra peut-être de couper la falaise. Couper la montagne. Oh, non. Oh, nice! Tiens. Et là, si on continue d'aller en hauteur, ça va me permettre de couper la montagne, ouais, je pense. Moi, je suis riche, mais je le reste. Si jamais je donne, jamais rien, donc. Tu as raison, je respecte ta logique. Tu es un entrepreneur, je respecte ça. Ok, go, les passer, go passer par là. Je peux t'embaucher comme avocat. Eh bien, je n'ai aucune qualification officielle pour être avocat. Mais je vous assure, vraiment je vous assure, que si vous me mettez en avocat pour défendre je ne sais quoi, je pense que je fais une très belle performance. À n'en point douter. Et merde! Il y a des trucs qui m'ont aggro par là, c'est peut-être des araignées, méfiez-vous. Ah mais non! C'est les putains de Dremora! C'est vrai que c'est l'hôtel de Merunes Dagon! On va casser du démon! Mais je crois qu'ils sont forts, eux. Attends. Bah voilà, fort ou pas, t'es par terre. Voilà, tu fais quoi quand t'es par terre? Tu fais rien. Tu prends perpétuité en 5 secondes chrono si Alderia te défend. C'est un peu médisant, j'apprécie pas trop.
Écoutez, un jour on pourra créer une émission, le tribunal de l'e-sport. Ça existait déjà d'ailleurs. C'était à l'époque d'Eclipsia, avec Corby et tout ça. Mais on pourra faire un concept du style où on crée une affaire et il y a deux avocats qui s'affrontent. Je vous assure que je gagne tout le temps. En fait, c'est très simple. Je vais juste utiliser des techniques non classiques. Comme payer les gens, soudoyer, manipuler, mentir, intimider, frapper. Astarky, merci beaucoup pour les 300 bits. Et Wankapu, merci beaucoup pour l'abonnement. Better Call Alderiat, exactement. Et là, on va aller buter les... Ah ! Il s'est fait bonked. Attends, mais maintenant que j'y pense, ici, il y a plein de lingots d'or, on va faire des bijoux. Regardez ça ! J'avais même pas calculé ce truc-là, mais regardez. Oh non, il est bugué. On peut pas le prendre, parce que là, c'est un lingot d'or. Bon, tant pis. Mais là, il y a plein de lingots d'or. Et avec tous ces lingots d'or, on va forger des trucs. Des bijoux qui vont rapporter moult XP. Le coffre. Oh, une gemme sublime. Allez, on prend Totu. On pourra tout vendre à Blanchir de toute manière. Non, toujours pas Rick, ça prend du temps. Mais si j'ai pas de bêtises, il y a un truc au dos de cet hôtel où il y a des trucs super cool. Vous allez voir. Satisfait ou remboursé. Ah, peut-être que j'ai confondu, peut-être que... Oh non, vous inquiétez pas. Le petit coffre sur l'étagère était vide. Vide, pardon. L'hôtel de voile ciel. Il y aura quelqu'un ici? Dans le doute. Nice, un petit hôtel. J'avais dû le clean il n'y a pas très longtemps. Bah merde. Ouais, mon con. Je confonds peut-être avec un truc, mais c'était pas loin. Il faut que je me rende. Merde, c'est l'indicateur là qui me dit n'importe quoi. Il me dit full bêtise. On va le mettre là, l'indicateur, déplacer. Ok, c'est parti. Tu pourrais faire médiateur, tu as un certain don pour dire les choses. Ah ça, t'inquiète pas. Je le fais dans ma vie privée très souvent. Je règle des conflits si facilement. C'est si simple. Il suffit de regarder la personne droit dans les yeux et de leur dire « Mais enfin, vous êtes potes, non ?» Et voilà, c'est fini. De rien pour l'astuce. Essayez, ça marche dans 95% des cas. Éloquence 100, voilà exactement. Oh! Oh! Tu es brûlé, mettre dans une urne! Dans une urne! Tiens! Voilà. Et ici, il y a une petite forge, si je dis pas de bêtises. Il y aura peut-être des matériaux à côté de la forge. On va aller voir ça. Eh bien, je n'arrive pas à faire en sorte que les sombrages et l'Empire fassent la paix. Même si je suis un si bon orateur. Parce que bah, c'est pas dans les options du jeu. Du coup, j'aimerais bien, mais je peux pas. Attends, ils ont toujours pas repop? Ça fait si peu de temps que je les ai tués. Regardez! Des lingots de fer ici!
C'est déjà ça. Ok, ça j'avais déjà. Bon bah 3 lingots de fer. Mais 3 lingots de fer, c'est pas rien, c'est 3 dagues. Soporifique, merci beaucoup. Oh, pour les bientôt 3 ans, monsieur. Merci pour cela. Alors, on a Blancherive en visu, hop. Là, c'est quand même un super terrain de chasse. Soyez sur vos gardes, il peut y avoir des élans. Là, une biche. Non, c'est un renard. On s'en fout, c'est un truc qu'on va buter avec le bouclier. Non, 14h, c'est pas hyper tard pour mes lives. En réalité, mes lives à... Faut pas tuer les renards comme ça, sinon ils mettent leur tête dans le sol. Et après, je peux plus prendre leur peau. C'est vraiment pas rare qu'un de mes lives traîne jusque là. Mais je vous jure, ils font ça, hein, c'est classique. Quand tu les butes alors qu'ils sont en train de se relever, il y a une espèce de bug trop bizarre et le renard se retrouve avec la tête dans le sol. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Parce que bug test d'âge, j'imagine. Go percuter les dents là. Ok. C'est parti. On va le choper. Oh! Il était en train de nous emmener près des bandits là, qui ont un cheval. Mais le problème, c'est que les élans, s'ils commencent pas à bégayer sur des rochers ou quoi, je les rattrape jamais. Allez, bégaye un petit peu là. Bloque-toi. Mais arrête! Tu casses les couilles, tu vas mourir dans tous les cas. Et bordel, jamais on ne m'a donné autant de difficultés. Mais... Ah ah! On te chope enfin! Tiens! Alors il faut... Ouais, je crois que c'est ici. Oui, c'est bien là qu'il y a un petit repère de brigand. Il a repop ou pas? Oh non, mais il y a un autre truc, let's go! Oh le petit fils de pute. Oh non. Oh non. Oh non. Let's go, il s'est arrêté. Je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Tiens, on va lui trancher la gorge là. Hop. Go Blancherive. Go Blancherive. Tanner, forger, vendre. Et on sera super content. Into, Vendôme Corberoc. Un peu stressé par les runes Dwemer, les gars, je sais vraiment pas si je serais capable de les faire. Filon de Corindon. Ah. 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 Attendez! Non, les gars. Je me rends compte d'un truc. Ah non, non, on va pas faire ça maintenant, chier! J'ai trop les nerfs! Je me suis rendu compte qu'on a trouvé la solution pour débugger les filons d'or qui étaient je sais plus où par là. Donc peut-être que, exceptionnellement, j'avais le droit à un déplacement rapide aller-retour pour aller miner les filons parce que... Mais non, il faut pas le faire. Il faut pas le faire, sinon je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir si je le fais, faut pas le faire. Go dormir à l'auberge. Chirodérable, merci pour les 3 mois. Putain, tous ces bijoux d'or que j'ai loupé pour rien. C'est une honte. C'est une honte. Mais il faut pas le faire parce que sinon, j'en ai pas autant chié pour tout rater si pris du but. Même si en soi c'était plutôt légitime. Après, je vais être triste. C'est la porte ouverte à tous les vices. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, on va pas le faire. On va pas le faire, mais ça rend triste un peu. Vous vous rendez pas compte, tous ces filons d'or, j'aurais pu forger tellement de trucs. Si tellement d'XP. Chose, faites-le-moi savoir. C'est toujours un plaisir de rencontrer... Bien le bonjour. Oui, c'était une petite erreur d'opti, c'était aussi parce que je savais pas comment débugger le truc. Alors on va commencer par Erlun, into Bellator, into les deux forgerons, into on forge un max. Tiens, dans le doute, je sais pas si j'ai une maladie. Dans le doute. D'abord le déplacement rapide, ensuite le skooma et le cannibalisme, monsieur LD, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh non! Mais travaille! Pourquoi tu travailles pas?
Ok, c'est donc comme ça. Eh bien, je vais faire une sieste chez les compagnons. On va faire une journée productive, c'est-à-dire se réveiller tôt, pour faire une bonne sieste toute l'après-midi. Vu que je suis un membre des compagnons, j'ai un lit chez eux. Voilà. Voilà, on va attendre tout ce temps-là. Dormir, pardon, dormir, parce que sinon ça va être peut-être leur pause du midi et... Ils rigolent pas avec la pause du midi ici. Tiens. J'espère que vous avez fait les préparatifs nécessaires. Ah oui, c'est vrai, il y a ce truc-là. Eh tiens, on va prendre la quête. Comme ça, il nous attendra au cairn, mais on pourra faire quand on veut. Alors, vous allez être mon frère d'armes. Voilà. Je vous retrouverai au cairn des poussiéreux. Voilà. Mais m'en fous. Ok. Go fast. Eorlun, t'as intérêt à travailler. Mais tu n'es qu'une misérable merde! Qu'est-ce qui te prend à plus travailler là? Bon, on va voir Bellator. Extrêmement déçu. Moi qui estimais Eorlund. Je tombe de haut. J'ai quelque chose pour à peu près. Alors, dis-moi que t'as plein de peau, Bellator. Te fous pas de ma gueule! Bon. Ah! Un peu de tout. What? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, j'ai pété un câble. En fait, le câble de mon casque a glissé sur mon bras et ça m'a donné l'impression qu'il y avait quelque chose qui... Une bête ou quoi qui était sur mon bras. Et du coup, j'ai frappé mon bras. Mais en fait, il n'y avait rien. C'était juste le fil de mon casque. Happens. Bon, maintenant, go forgeron. Pareil pour Bellator. Passez chez Bellator, on marchait. Ou peut-être que c'était un fantôme. No fake, peut-être qu'il y a un fantôme, hein. Peut-être que mon appartement est hanté. Et c'est un fantôme joueur. Du coup, il me caresse et disparaît. Mais merde, j'avais espoir, je croyais en toi. Ah! Oh! Regardez-le! Il est en train de se rendre sur son lieu de travail. Il est en train de se rendre à la forge. La forge au ciel. C'est le fantôme du poivrier. Il est peut-être bientôt vide. Eh bien, peut-être oui. Allez, on attend qu'ils sont à son lieu de travail. Attendez. Mais si c'est un fantôme joueur... Attendez, je vais ouvrir mon placard. J'ai un doute, là. Si c'est un fantôme joueur comme je le pense. J'en étais sûr, putain. Mes chaussures sont plus là. Bon. Faudra aller voir après le stream. Alors, Eorlund, est-ce que tu travailles? J'ai beaucoup d'acier à forger. Alors, qu'est-ce que vous avez à vendre? Les dieux soient loués. Peut-être que le truc là. Le chasseur ivre, il aura plein de trucs à nous vendre. Ouais, minerai de fer. Et là, on va aller voir le... Ah merde, je transporte trop de trucs pour pouvoir courir. On va lui vendre des trucs. Les dieux soient loués. Armes. Ouais, des bâtons, des dagues. C'est assez ou pas? Ok, let's go, c'est assez. Ils vendent la viande, ça se trouve ils vendent la peau. Tu vends la peau ou pas? Babiole, peau de ficelle. Vends peau. Ils vendent un crochet. Et ils vendent pas de peau. Ça se trouve elle vend de la peau. Du fromage et des peaux. Elle vend des peaux mais pas les peaux que je voulais. Et toi? Quelques peaux peut-être? Il y a un conflit.
Tu n'es qu'une merde. Eh bien... Adrian. Non, ne rentre pas! Ne rentre pas, c'est super dangereux! Ok. Non, ça c'est à moi. Oh! Elle a un stock pas dégueu. Ouais, et maintenant on va, hop, rentrer dans la guerrière. Bienvenue chez... épée, casque... Alors, les bandes de cuir, 27 lingots de fer, c'est lourd! Eh bien, merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Maintenant, on va forger des trucs. Attends, j'ai envie de passer au chasseur ivre avant. Bon, c'est pas au petit. J'aurais pas dû faire ça dans ce sens-là, mais je veux à tout prix. Je veux voir s'il a pas des pots ou des trucs à me vendre, le chasseur ivre. Il y a un moment où ton déplacement est totalement bloqué par ton poids. Non, jamais dans Skyrim. Tu es juste forcé de marcher lentement. Qu'est-ce que vous chassez ? Non. Ah oui, c'est vrai, tu peux mettre des coups d'épée en avant pour avancer plus vite. Oh, let's go ! Bande de cuir, lingot de fer, crochet cuir. C'était un plaisir de faire affaire. Attends, ça se trouve ! Ça se trouve, c'est glitché ! Et regardez ! Si je pars et que je me mets à courir. Ah, quel malheur ! Bon, c'est pas grave. Au moins, on peut faire ça. Faites attention. Voilà. On gagne du terrain plus rapidement. Alors, on va faire des lingots de fer. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Non. Et maintenant, on veut faire du cuir. Et voilà. Et quelques bandes de cuir. Voilà. Et maintenant on va forger. C'est du taf les gens, c'est du taf. Alors fer, dague de fer, toutes ces dagues de fer. Allez, en avant. En avant pour le level 100. Bon, ce sera pas sur cette session, mais on se rapproche bien. 95 plus. Ouais, j'avoue que là je fais 96 au max. Allez, on se rapproche. Un peu de cuir. Ok, let's go, 96 plus. Oh, il y a moyen de faire 97. C'est incroyable, c'est énorme. Et là, on va faire 97. Cuir, gantelet de cuir. Et voilà, 97 plus. On y arrive les gens. C'est pour aujourd'hui, je le sens. Les bijoux. J'ai des trucs pour faire des bijoux. Bijoux. Ah mais oui, tu as raison, de l'or. On pouvait faire un collier d'or et de diamants. Un collier d'or et de rubis. Encore un autre. Tout l'XP que je gagne. Collier d'argent et d'améthyste. Anneaux d'or et d'émeraude. Des colliers d'or. 98 plus. 98 plus les collègues. 98 plus bordel. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Allez, on va leur vendre parce que là je peux plus bouger. Le sang qui arrive, on va se rendre à Vendôme. Ne vous inquiétez pas, le sang arrive. Alors, on va commencer par vendre le gros pack de dagues de verre, là. Les flèches aussi, ça me casse les couilles, toutes ces flèches. Même si ça pèse rien. Tiens, la grosse hache d'ébonite. Et il nous faut... Voilà. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Je sais, je suis super cool. En matière d'armes et d'armure. Exactement, cut le stream sans faire le niveau 100, pas autorisé du tout. Ne vous inquiétez pas, rien de pas autorisé n'est fait sur ce stream. Faites tout est autorisé. Le savez-y tu. Merci pour les 2 ans, Disco Moule. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation.
Au Moyen Âge, l'argent a mis longtemps à s'imposer et les riches étaient en fait les puissants possédant terre et surtout hommes sous leur férule. Donc va posséder quelques manants pour fêter mes 2 ans STP. Posséder des manants ? Eh bien, je possède pas le contrôle mental. Mais si, je possède des gens. Je suis le Tan de plusieurs villes. Du coup, j'ai plusieurs jarls. Ça compte. Ouais. Tiens, on va te vendre les colliers d'or. On va te vendre des dagues. Allez, je te le fais à ce prix-là. C'était un plaisir de faire. Lingot de Wemmer, pas nécessaire. Pas nécessaire, il y a juste à faire la fin. Alors, on va inspecter la route. Alors, sur la route, on peut voir qu'il y a un camp de sombrage ici. Vous savez quoi ? On va être super malin, parce que j'ai une quête à faire. On va retirer ça, d'hiver, le rocher de Guldun. Et en allant au rocher de Guldun, on va passer par les sombrages, et en plus, on va aller buter des géants qui ont plein de peau. Et let's go. Ah oui, plusieurs Huskarl, pardon. Plusieurs Huskarl, pas des Jarl. J'ai dit des Jarl. My bad. Vous savez, je dis Jarl pour un peu tout. Tout est un Jarl pour moi. En vrai, les chevaux, il y a moyen de prendre leur peau. Abruti de chien. Tu as traité ce chien d'abruti ? T'es qui ? Oui. T'es qui ? Nous allons à l'hôtel de Kinaret à Blanche Rive. On dit que manger un de ces fruits fait gagner quelques années de vie. J'en reviens pas. Elle a traité ce chien d'abruti de chien, ça me plaît pas du tout. Mais je ne peux pas la tuer. Ou peut-être qu'elle n'est pas considérée comme... On va voir. Peut-être qu'elle n'est pas considérée comme une citoyenne. Après tout, c'est une elfe. Ah, merde. Il semblerait qu'il soit pas trop d'accord avec toi. Avec ça, pardon, j'ai eu la prime directement. Ok, il y a le bug. Putain, j'ai plein de trucs sur moi. Je suis si lourd. Il va falloir que je vende plein de trucs. Bon, c'est pas grave. On fera un thread Twitter sur elle, ça lui apprendra. Et go into Rocher de Guldun avec le campement de sombrage sur la route. C'est vrai que Blanche Rive, ils sont alliés aux impériaux. Exact. Y'a pas des petites peaux à récupérer ici? Étant donné qu'on peut pas dépecer les êtres humains, non. Oh, vache, on peut! Mais je pourrais pas la tuer discrètement. Bon, c'est pas grave. Là, on a le campement de sombrage indiqué sur la map. Est-ce que ce sera galère d'y accéder ou non? Non, ça va, il sera dans le coin. Peut-être que le chien donne de la peau. Non, les chiens donnent uniquement de la viande de chien. Ah ouais, c'est vrai, là, il y a le petit mage. Osef de lui. Tu peux pas avoir de la peau de chien et faire du cuir avec. Let's go, un smilodon. Ça, c'est super. Smilodon égale plein de peau. Monsieur le smilodon, veuillez donner votre peau. Merde, le smilodon m'a donné une maladie, je crois. Ah, il m'a certainement donné une maladie. Effet actif. Ok, ça va. C'est pas trop grave. Et puis de toute manière, je vais passer par Vendôme. Je l'ai pas loot ? Mais c'était calculé. Je l'ai pas loot pour revenir sur mes pas et me rendre compte qu'il y avait un renard. Buter le renard, le loot et derrière loot le smilodon. Tout était calculé. Tout. Maintenant, go voir le forgeron. Exactement, j'ai bait le renard. Totu, excusez-moi. My bad. Alors, le forgeron, il est où? Il est là, normalement. C'est l'intendant. C'est elle? Non, soldat. On veut parler à l'intendant. Intendant, tu es où? Tu es là? Intendant? Que pensez-vous de tout ça? Je suis un vrai nordique. C'est aussi simple que ça. Où est l'intendant? Intendant? Mais bordel! Mais... Où est-il?
Toi, t'es pas l'intendant. Toi, t'es genre. Patrick cuisine bien briqué. Ouais. Ils font autant de bruit. Et là. Ils viennent par ici. Bon, écoutez, on va faire une sieste. Putain, il m'a volé mon tas de paille. Ok, go faire une sieste. Là-bas, c'est pas l'intendant? Putain, y'a quelqu'un qui a buté l'intendant? Ça se trouve, l'intendant s'est fait buter, notre rôle. C'est pas impossible. Buté par quoi, j'en sais rien, mais il s'est fait buter. Y'a vraiment aucun intendant ici. Salut. C'est une tragédie? Non, c'est pas moi qui l'ai buté. Écoutez, on va dormir jusqu'au petit matin. Peut-être qu'il va repop. Sinon, bah tant pis. Très bien, Davy. Amuse-toi bien. Ah merde! Je faisais pas gaffe. Écoutez, y'a pas l'intendant ici. Putain, ce scam! Je viens de me faire tellement scam par les sombrages qui sont censés être mes amis, j'ai envie de tous les tuer maintenant. Bon, tant pis. On espère que les géants auront plein de trucs. Et qu'il y aura plein d'animaux sur la route. En soi, il me reste compétences, forgeage. Où est-ce que c'est? Là. Il me reste deux niveaux à prendre, sachant qu'il y en a un qui est déjà pas mal avancé. Enfin, pas mal, ça va, ça va. Et là, on va aller dans une zone où il y a plein d'animaux. De toute façon, il y a tout le temps plein d'animaux. Mais encore plus que d'habitude. Et là-bas, ah, je crois que j'ai déjà buté les géants ici. Peut-être qu'ils auront pop. J'espère qu'ils auront pop. On va aller voir. Ce sont mes amis, je ne dois pas faire ça. Tu dois aussi recraft une armure de plate pour l'enchanter à nouveau. C'est vrai, j'ai déjà préparé le couradon pour ça. Let's go, il y a des géants ici. Tue. Go massacrer les géants fast. Oh putain, il fait un peu mal quand même. Voilà, toucher la prime. On va garder ça de côté. Alors, est-ce que t'as plein de peau sur toi? Oh! Monsieur avait de la peau? Et toi, t'as de la peau sur toi ou pas? Pas mal! Pas mal en vrai! Trois peaux par géant? Et il y a même une grotte. Peut-être qu'il y aura de la peau dans la grotte. Pas l'air d'avoir de peau, mais il y a de la richesse. Et là-dedans? Ouais. Des trucs cool avec une bonne valeur, mais pas de peau. Y'a même pas... Oh, let's go, une vache! Peau de vache! Ça, ça régale. Ça, c'est un Ragnar à la con. Y'a pas, peut-être... Non. Et la peau dans la grotte, bah t'as vu? Peau dans la grotte. Avec la petite vache. Y'a peut-être des animaux morts qui traînent dans leur camp. C'est pas impossible. Non, ça c'est du fromage, on s'en fout. Bah go remettre un indicateur. On pourrait aller à Vendôme en passant par là. Et du coup en passant par ce campement de géants, on va mettre le repère et aller leur latter les couilles. Oh, une chèvre, let's go. Tiens. Ok. Et... Attends. Ah mais j'avais pas vu, il y a le rocher de Berserok aussi juste devant. Bah go faire ça. Et récupérer tous les trucs que peuvent avoir les géants. Non, pas besoin de cornes pour le château de Soupex pour le moment. Puis les marchands font tout en vendre et... En vente, pardon. Et... C'est vraiment pas ce qui manque, les chèvres. Let's go, il y a un ours ici. Ça c'est lourd. Ours vient de battre. Qu'est-ce qui branle dans la rivière?
il crie pour rien. Parfait. La peau d'ours, ça régale. Maintenant, on veut se rendre au campement des géants qui est juste au-dessus. Ouais, exactement, il est en train de chasser le saumon. Tel un ours. Ok. Faut retourner vers les hauteurs. L'ours a des poches pour l'or ou quoi? Mais non, c'est qu'il a mangé quelqu'un qui avait de l'or sur lui. J'ai entendu le bruit d'un renard. Je le savais! Voilà. En passant par là. Let's go, il y a une chèvre en plus sur la route. Toujours plus de peau. Je regarde bien, on sait jamais. Et est-ce que là, ça me permet d'aller... Ouais, il y a moyen. Ouais, let's go. On va cogner du géant. Enfin, s'il y en a. Il y a un truc qui brûle, là. C'est une vache. Faut la fouiller. Il n'y a pas l'air d'avoir de géant en vie, ici. J'ai dû le buter il y a trop peu de temps. Ouais. Mais au moins, il y a une peau de vache. Mieux que rien. Et on va aller à l'autre campement de géant. Oui, en soi, je pourrais jouer à l'arbalète, mais je vais pas jouer avec. Je préfère être en only cac. Alors, là, d'ici, on peut voir un renard. J'ai pris la grotte... C'est quoi, cette merde? C'est un assassin de la confrérie noire. Qu'est-ce qui branle? Bah, allez, hein, amène-toi. Elle peut pas parer. Tu peux pas parer en deux mains. Et ben voilà. Alors, poison mortel, saphir parfait. La note, on l'a déjà, mais on va quand même la reprendre. J'avoue, elle était pas très furtive pour un assassin. Ok, il faut passer par là. Qu'est-ce que c'est que tous ces squelettes? Une épée impériale. Oh, c'est pour aller dans la prison abandonnée. Mais non. Non, non, non. Pas le temps pour ça, là. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on XP. Je dois aller buter plein de trucs. Elle dit quoi, la note? Bah, elle dit qu'il y a un contrat sur moi. T'es pas censé être le chef de la confrérie noire. I doesn't know Pepelof. Pepelof Erino. Alors, il y a quoi là-dedans? Rien d'autre qu'un gantelet de cuir. Bon, on va le prendre. Hein. Mais malheureusement, il n'y a toujours pas de géant. C'est extrêmement triste. Bah, sur la route, on va aller ici. Et en passant pour le bosquet, il y aura des animaux, c'est un bosquet. Pas de Spriggan, des animaux, s'il vous plaît. J'avoue que j'ai pas l'emote d'activer. Faudrait que je la mette. Mais je crois que j'ai déverrouillé des places d'emote en plus. Faudrait les prendre. Parce que tous les 2 mois en plus d'abonnement chez BTTV, j'ai 2 emplacements d'emote en plus jusqu'à temps que ça monte à 100. Et j'étais pas à 100 aux dernières nouvelles, j'étais à genre 86. Du coup, let's go. Alors là, il y a un animal qui se balade. Le buter. Là aussi, oh let's go, tellement de trucs à buter. Go tuer tout le monde. Il est si rapide. Let's go. Une fois qu'il est tombé, c'est fini. Et voilà, peau de chevreuil. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de peau. Là, avec ces peaux, on va faire des choses. Alors, il y a des trucs dans ce bosquet, pas des Spriggan, hein. Genre des animaux.
Ça pue la Spriggan. Une Strix m'attaque. Ah mais non, c'est le bosquet où il n'y a pas d'animaux, c'est la cabane de Moira. Tiens. Il y a peut-être des pots d'animaux par ici. En soi, c'est censé être une cabane d'arfreuses. Les arfreuses, elles adorent trop tuer les animaux. Il y a peut-être des pots qui traînent. Petite peau qui traîne. Non. Non, pas de peau. Bon bah go campement de géant into Vendôme. Il y a un mammouth. C'est bon signe. Qui dit mammouth dit géant, théoriquement. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils ont l'air d'être bizarres. C'est des ennemis? Lui il a pas une tenue d'ennemi. Ah d'accord, c'est un mage avec Mike le menteur à côté. Ok. Putain, si seulement on pouvait le dépecer lui. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ouais. Ah merde, j'ai trop de poissons moi, faut dégager des trucs. Comme ça je peux pas, c'est un truc de quête. Un marteau? Allez, un marteau. Ok, c'est par là pour le campement de géant, on est tout prêt. On va buter les mammouths. Go buter les deux mammouths. Ça permettra de... nous mène bien en une main. Ok, maintenant on passe à l'autre. Go regagner un peu de vigueur. Imaginez. J'ai dit plein de fois, mais imaginez, bordel. De la peau de mammouth. La vie deviendrait si simple. Bordel, il y a un sminodon. D'où est-ce qu'il pop? Bah let's go, de la peau qui vient à domicile. Eh, reviens là toi. Tu ne peux fuir. Quelqu'un d'autre sur la route? Non. Maintenant on va aller voir du côté des géants. Non non, ça marche pas la charge bouclier sur les mammouths déjà d'est. Je prie, mais je prie pour qu'il y ait des géants en vie là-bas. Et pas la peau, c'est des mammouths. Là c'est bien, là il y a de la peau. Et j'ai pris la peau du smilodon. Mais vous avez tous décidé d'être cons quoi. Mais j'aimerais vous féliciter. Je veux dire, décider tous en même temps d'être si cons au même moment, c'est une performance. Bien joué les gars. Alors on va commencer par le mammouth et on va passer par le géant. Ok. Mammouth est tout géant. Allez, donne la peau que t'as sur toi le géant. Je suis sûr que t'as plein de peau. Let's go, j'ai un level. On va pouvoir gratter des levels à la mendiante. La mendiante de Vendôme. Alors t'as quoi? Ça va, il a deux peaux sur lui, c'est pas horrible. Y'a pas des petits animaux morts qui traînent? Là y'a un cheval. Là y'a un cagite. Les trucs je les ai déjà pris. Let's go! Double peau dans le coffre. Cheval, vide. Coffre, déverrouillé. Bordel de merde. Je n'arrive pas à trouver le truc. Non. Mais arrêtez. Monsieur. Je deviens fou. Je être ou devenir fou. Et c'est une adepte en plus, c'est une putain d'adepte de merde.
Et voilà. Facile. Ok, on va prendre ça. Y a pas les petits animaux qui traînent là sur la route de Vendôme? Voilà, repère. Tiens, j'ai passé un level. Allez, go prendre un point de vigueur, ça fait longtemps en vrai. Et c'est parti pour aller vers Vendôme. Et buter absolument tout ce qu'il y a sur la route. Combien de poissons moi? Ok. Ça aurait été cool de pouvoir forcer les serrures quand t'as assez de force. Malheureusement, il n'y a pas de caractéristique force et tout dans Skyrim, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou quand t'atteins un certain montant de dégâts, t'es capable de péter le coffre avec ton arme. Le level 85 influe en rien, hack. Genre, ça influe vraiment en rien par contre. Tant que t'as pas pris de points dedans. Et personne met de points d'encrochetage. Ça pue. Alors, ici c'est quoi? Petite auberge. Le bosquet de Kin. Est-ce qu'ils vendraient pas de la peau? Peut-être que les aubergistes y vendent des peaux. Le travail de mineur est difficile, mais nous payons le minerai que vous trouvez. Ok. Vous avez mauvaise mine. Vous... Ah ouais, c'est vrai que je suis malade, j'avais oublié. Putain, elle a pas de truc dans les divers, y'aura pas de peau. Y'a pas de la peau qui traîne là? Attends. Non, go Vendôme. Une mine au bosquet de Kin. Oui, oui, je crois que tu as raison. On va aller voir si c'est une mine de quoi. Oui, elle est juste là normalement. Elle est là. Que voulez-vous? Putain, c'est de la malachite. Je m'en fous que ce soit de la... Non, pas une mine de malachite. Attends, si, c'est bien. Malachite égale verre. On peut forger des trucs de verre, ça vaut cher ça. Et j'ai le truc pour forger des trucs de verre. Oh, tous ces petits filons. Il y a peut-être même d'autres trucs qui traînent par ici. Formidable. Une mine de peau. Go piocher de la peau. Et là, ouais, c'est que de la malachite partout. Ah, tu m'as bien cassé les couilles, Maul. GG à toi. Alors là, il y a quoi? Ok, c'est parti, on va creuser. Le jeu? Ah, je l'ai déjà fait aujourd'hui, le jeu. Je suis un scammer, un escroc, mais un escroc respectable. Je ne scamme jamais deux fois le même jour. Ce n'est pas correct envers les viewers. C'est pour ça qu'on va faire un nouveau jeu. Comme ça, ce sera pas deux fois le même jeu. Ok, vous êtes prêts? Nouvelle règle. Ok. Les règles, c'est que je vais creuser de la malachite. Et avant que j'ai fini de faire tous les filons, vous devez réussir à déclencher un train de la hype. 3, 2, 1, go! Ok, c'est parti pour le jeu. Et on a des pierres précieuses aussi, on pourra faire des trucs, des bijoux avec ça. Skatrix, merci pour le prime. Ok, et là il y a quoi? De la malachite. Et Gant. Merci beaucoup pour le prime. On n'a rien à y gagner. Mais si! Des emotes. Un train de la hype, ça donne des emotes. Bah oui, ça donne des emotes à tout le monde en plus. Moi je pense toujours à tout le monde. Enfin, je comprends pas. Je vois des scammers dans le chat alors que... Bref, je ne comprends pas. J'ai une telle bienveillance et un tel altruisme, mais je pense que vous n'arrivez pas à le voir. The Polo et Regbo et Dairon et Ignorant Joy et Default User Zero. Merci beaucoup pour tous les abonnements. Oh, let's go, il y a une emote train du scam. Quelqu'un l'a fait. Je suis humain, merci pour l'abonnement. Ok, et là il y a quoi? Ok, c'est parti. Barbucheron, merci pour le deuxième mois d'abonnement. En vrai de vrai, devrait déjà y avoir un train de déclencher là. Parce qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 abonnements de personnes différentes en très peu de temps. À quel moment il n'y a pas un train? Peut-être que le train il est en CD? Non, je comprends pas en vrai. Fraise des bois, merci d'avoir donné un abonnement. Étudie 97, merci pour le sub. Mais où est le train? Le train aurait dû pop. Peut-être qu'il va mettre un peu plus de temps à pop, je ne sais pas. Chrome Chrome, merci pour le prime. Ok, c'est là. Si on réussit pas et du coup on perd le jeu, il se passe quoi? Absolument rien. C'est un jeu friendly. Tu peux gagner mais tu ne peux pas perdre. Ah, je suis trop plein. Tu as enlevé le train? Bah non, il a déjà proc plusieurs fois aujourd'hui. Et écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. Go lâcher la pioche. Eh bien écoutez, je suis désolé, mais le train ne proc pas, je ne comprends pas pourquoi. Là pour le coup, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Peut-être que le train du scam nous a scam. Ou peut-être que le train me considère comme tellement malhonnête qu'il s'est détourné de moi. Même le train du scam ne veut plus apparaître sur ce stream, qu'elle considère ce stream comme trop malhonnête. Ou peut-être qu'il y a un CD et qu'il y avait, eu un train de la hype il y a pas très longtemps, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va aller à Vendôme et qu'on va forger et vendre des trucs et peut-être passer niveau 100 en forgeage. Il est quelle heure? Ok, les commerçants sont en train de travailler. Non mais en vrai, le vrai là, je comprends pas. Parce que ceux qui disent il y a un CD, ok il y a un CD, mais le dernier il datait depuis au moins une demi-heure, non? Tu peux changer le cooldown? Bah attendez, je vais aller voir. Alt-tab. Ok, Google. Twitch, train de la hype. C'est une heure de CD LD? Ah ouais, vous voyez ça où? Vous voyez ça dans les trucs du chat? Je sais même pas où on voit ça. Train de la hype, la nouvelle fonctionnalité Twitch. Et c'est où que je le paramètre? Ouais. Une heure de CD, ça paraît cohérent. En vrai, oui. Les gens... Putain de merde, je sais pas comment faire. Bon, c'est pas grave, on va forger. After a hype train has ended, there is a cooldown period. Streamer... Channel settings. To change the cooldown period between hype train, you will need to go to your partner affiliate settings under the hype train section. Ok les gars, bon. C'est vraiment pour vous que je fais ça. Je demande pas d'être remercié. Je demande vraiment pas d'être remercié. C'est pas pour ça que je suis là. Mais je veux juste que vous vous rendiez compte de tout ce que je fais pour vous. Bon, allez, on va aller faire ça pour vous. Alors, faut aller dans... c'est dans préférence, partenaire, train de la hype. Je suis dans la catégorie. Ok, les trains de la hype doivent rester des événements spéciaux. Pour qu'ils conservent leur intérêt, instaurer une période de récupération afin que la communauté ne puisse pas en déclencher trop souvent. D'accord. Putain, je peux pas. Une heure, c'est le CD minimum. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas le baisser. Putain. Twitch, c'est quoi ce travail là? Bordel de merde. Miel Pops 2, merci beaucoup pour le prime. Putain, je suis limité dans mon escroquerie par Twitch. C'est une honte. Bon, tant pis. Je vais faire un trade sur The Herok et on en reparlera. Alors, elle a des bandes de cuir, des crochets, minerai de fer, peau d'ours, plein de peau. Ok. Merci de votre passage. Et maintenant, il faut que j'aille tanner des trucs. Oui.
Cette leçon de marketing, ça te fume. Alors, on va faire plein de cuir. Regardez tout ce cuir! Ce cuir est si lourd! Ok. Et maintenant, il faut aller parler à Monsieur le Forgeron. Les gens disent que... Regardez donc. Monsieur le Forgeron, j'ai besoin de ceci, 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 et ceci, s'il vous plaît, monsieur. Gvoterlen, merci pour le Prime. Alors, lingot de fer, on en a que 3 à faire. Et c'est parti. Alors, fer. Ok, j'aurais beaucoup trop de cuir pour passer de bande de cuir, il faut repréparer de la peau. C'est encore la tournée des forges. Oui, mais comme tu peux le voir, on arrive à la fin. Bientôt le niveau 100 en forge. Je suis outré, je voulais claquer mon smic, Twitch m'en empêche, explication. Ne t'en fais pas, on trouvera une solution parce que là c'est... Enfin bref. Les gars, à l'aveuglette, à la pure aveuglette, j'ai fait le montant parfait. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est même plus du talent à ce stade. C'est quelque chose d'autre. Pixel, littéralement, pixel. Attends, est-ce qu'on y... Let's go! Mais let's go! Le forgeage niveau 100, et ça ne s'arrête pas là. Compétences... Ok, armure draconique. Ok, 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 ok. Monsieur oui. Durenclume. Et bah me voilà niveau 100 en forgeage. Tout ce qu'il vous faut. Niveau 100 en forgeage, niveau 100 en enchantement... Ça, c'est des grosses corvées. Des grosses corvées qui ont été réalisées. Mais je suis maintenant tranquille, libre comme l'air. Si vous rencontrez... Go aller vendre des trucs. Go aller faire de la place dans l'inventaire, là j'ai plein de trucs à vendre. Oh, un peu de tout. Oh, un peu de tout. Bâton de péril. Ouais. Et on va aller voir l'alchimiste. Et après, on ira voir le mage de la cour et l'elfe noir. Si, bien sûr, j'ai une limite de stockage. Enfin non, t'as pas de limite, puis au bout d'un moment, tu peux plus courir. T'es obligé de marcher, et tu marches très lentement. Non, tu sais quoi, ça pèse pas assez. On va plutôt vendre des dagues. Voilà, j'ai encore des vieilles dagues à vendre. Maintenant, on va aller voir le fourre-tout elfe noir, into magicien de la cour. Et on est plus si loin de... Voilà, exactement. On va voir si on est capable de faire ce donjon. Ce donjon qui pourra nous mener à... À quoi ? À... Le dragon ! Le dragon avec les ossements, là. Alors, c'est fermé ou pas ? Ça va, on n'arrive pas trop tard. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose qui vous... Hein ? C'est un plaisir. Jetez un œil. Alors, t'as quoi ? L'espadon de Véronclevent, la hache... Ça, je te l'ai fait à ce prix-là. Into, magicien de la cour. Oui, c'est très lourd, les autres dragons. Faut faire de la place. Let's go, on peut bousculer les gosses. Dommage qu'ils tombent pas par terre. Alors, magicien de la cour, le château, c'est juste là, à droite. Et la mendiante, faut la trouver aussi. Elle aura 5 niveaux à nous donner. Alde, il a pas fait de gameplay magicien, je suis déçu. Non ? Non, non. Non, non. Retour de flamme. Retour de flamme, mon petit salopard. C'est moi qui suis déçu de toi. Tu n'as pas vu les 35 heures du match de guerre que j'ai fait. Tu es le problème, pas moi. Vous n'êtes pas aussi stupide. Et voilà. On vous a dit sur mon... Rhétorique. Regardez donc. Implacable. Alors, il faut vendre ça, ça et ça. Et on va lui vendre ça également. Hop, ok, 126 sur, 100, sur 370.
Tu es Cancel. Exactement, tu es Cancel. Le trade se rapproche à grands pas. Maintenant qu'on a fait tout ça, allez, on pourrait aller faire une dernière étape, histoire de faire les choses vraiment bien, et se rendre à Corberock, tant qu'on est à Vendôme, pour vraiment bien se vider. Il y a des marchands qui ont plein de thunes là-bas. Alchimiste, fourre-tout et forgeron. Et derrière, on retourne et paf, c'est parti. Pâte au saumon. Très bon choix, d'ailleurs. Très très bon choix, les pâtes au saumon. Merci pour le prime. Aldé le monstre en rhétorique. Je n'ai même pas besoin d'être bon en rhétorique. Les faits. Just spitting facts. J'ai juste à cracher des faits. Et voilà, je gagne. Pourquoi ? Car je suis dans la vérité. De rien. Gosolstein. Donc GG, merci pour le 17 mois, monsieur. Du coup, Aldé est bien parti pour faire le jeu à 100%. Ouais, mais n'y compte pas trop. Mais compte-y à la fois. Et de l'espoir, mais en faisant attention. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Bon, on va aller dormir à l'auberge en espérant ne pas se faire TP par Mirac. La dernière fois, on s'est fait TP par Mirac. Donc, selon les statistiques, on va pas se faire TP par Mirac cette fois-ci. Exion et Karyogami, merci beaucoup pour les deux, abonnements. Bienvenue à la taverne du net. Pas de problème. Elle est à vous pour... Voilà. Alors, la chambre, hop. Merde, j'ai peut-être pas assez dormi. Ah, c'est des lève-tard, mais quand même. Let's go, Mirac m'a pas TP, ça régale ça. Pourquoi n'avez-vous pas posté de garde à ma boutique comme je l'avais demandé ? Vous pouvez aller où bon vous semble, mais à votre place, je ne quitterai pas le rempart. Sérieux ? Bah, c'est l'heure là ? Ok, bon, au moins lui il travaille. Elle, c'est de l'alchimiste. On a tôt fait de s'ennuyer. Ah non, elle, c'est pas l'alchimiste. Ok, c'est bon, ils sont en train de se mettre au travail. Lui, il travaille. Vous venez pour acheter quelque chose ou pour vous moquer de nos... Alors, ouais. On va faire le tri des potions, parchemin. Voilà, tout ça. Voilà, on fait de la place. Des livres aussi ? Voilà, des livres. Mais pas ça. Ouais, ouais. Ça. Et maintenant, on veut aller à un autre marchand. Il y a le forgeron qui est en train de se mettre en place, mais l'alchimie, je sais pas où elle est. Bienvenue à Corberock. Voulez-vous goûter la nourriture récente ? Vous avez trop. Je m'appelle Glover Mallory. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts ? Alors. Dans les livres, il restait des trucs. Voilà, ça. Ouais. Ok. Et maintenant. Tiens. Ça va peser lourd et on s'en fout. Ça, on en a plus besoin. Pas besoin. Pas besoin. Dans les tenues. Bottes elfiques. Et voilà, t'as plus d'argent. Dites à Crécius qu'il ferait mieux de... Et... Bon, bah l'alchimiste fait la grève aujourd'hui, tant pis. On retourne en bord de ciel et on va voir si on peut se frotter à ces ruines d'Wemmer. J'espère que oui. Le capitaine Guyaloun. Chercher un passage vers vous. Vous avez les moyens de payer la traverse. Parfait. Allez, c'est parti. Cet endroit, c'est Corberock. C'est situé sur Solstheim et tu peux y accéder via l'extension Dragonborn. Ok, ça va, on n'est pas si loin des ruines en question. Combien de poids sur moi ? On est très très bien, là, 79 sur 370. Let's go. Désolé Aldé, moi je ne te regarde que pour la lecture de la femme de chambre argonienne, le reste c'est du bonus. Eh bien, tu peux voir que je suis un streamer extrêmement investi, car je te propose énormément de contenu bonus. Merde ! Je suis malade, faut que j'aille me faire soigner. Ouais, il y avait ça. J'avais une maladie. Bon, faut retourner à Vendôme, real quick. C'est quoi la femme de chambre argonienne ? C'est... un roman érotique. Un roman érotique de l'époque. Il fait fureur en bord de ciel.
Mais pas que, en Cyrodiil également. Et en Morrowind. Ah, en Morrowind, j'ai peut-être un doute. Mais en Cyrodiil et en bord de ciel, il fait fureur. Mais méfiez-vous de ce livre. Il a tendance à délaisser les sauvegardes. Mon armure, c'est l'armure de plate. T'y accèdes là, regarde. Là. Armure supérieure. C'est avec ça que tu peux forger armure de plate. Et d'autres trucs. Écaille aussi, je crois. Nous devons nous rendre à la nécropole. Ou au temple de Talos. C'est pas ici qu'il y a le temple de Talos super cool. Regardez. En vrai, par contre, notre rôle, le temple de Talos de Vendôme, juste incroyable. On va se purifier. Et c'est parti pour la quête. Rayzed, merci beaucoup pour les 26, pardon. Merci beaucoup pour les 26 mois, monsieur. À quoi servent les bénédictions? Elles te donnent des bonus divers et variés de quelques heures. Quelques heures in-game, donc c'est pas très long. Mais surtout, elles te permettent de te purger de toutes tes maladies. Et ça, ça fait le taf. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Dont le vampirisme. Ouais, dont le vampirisme. Ça, c'est le plus important. Oui, on est un peu sur un marathon. Mais en même temps, j'étais pris dans le turbo farming. Et hier et aujourd'hui, je devais à tout prix passer niveau 100, forgeage et enchantement, pour pouvoir aller plus vite. Regardez ça, je ne tue même plus les animaux. Je les laisse vivre, pour le moment. Bref, oui, j'étais pris dans un farming. Et je voulais vraiment torcher ça. Parce que ça me coupait dans mon papillonnage, vu que mon perso était pas assez fort pour faire plein de trucs. Alors que là, on se dirige grandement vers la création de l'armure et de l'arme ultime. Mais il faudra d'abord passer par les quêtes de la guilde des mages. On n'est plus si loin du truc. Non, potion médicinale pas autorisée. C'est un peu hard comme règle, mais pas autorisé. C'est quoi, ça, des chasseurs? Bah, il y a même plus besoin de les buter, j'ai plus besoin de leur peau. Je ne vais même plus tuer les chasseurs. Ni les chevaux! Je vais arrêter de buter les chevaux, les gens. C'est promis. Mais il faudra reprendre le massacre des animaux de bord de ciel afin de monter à 1000 animaux tués. Mais pour le moment, je suis reformed, les gens. Je suis L9 Alderiath reformed. Ok. Ok, on est sur la bonne route. Bon, c'est très simple. Si des falmeurs belliqueux, adieu. Ouais. Y'a des gens qui gardent l'entrée ou pas? Non, c'est bon, c'est fine. Nous voici à Mvult. Salut à toi, mon frérot. Parti. Non. Trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée de dingue. J'ai fait cette quête dans mes trois derniers... Dans trois de mes quatre derniers let's play. Et j'ai jamais pensé à faire ça. Regardez.
Bon, ouais, c'est bon. C'est bon, j'arrête. Ok, soyez prêts, la castagne va démarrer. Ce sera une ruine Dwemer classique, donc avec Chorus et Automate Dwemer. Et c'est la quête pour la guilde des mages, et je crois que peu de temps après, on a accès à la fameuse quête du dragon squelette. En vrai, je m'en fous un peu de leurs gemmes spirituelles, mais vous savez quoi, on va les prendre au cas où. Au cas où pour pas regretter plus tard. Parce que ça fait de l'argent. Et quand j'aurai envie de construire toutes mes maisons, ouais, mais ça coûte pas très cher au final de construire sa maison soi-même. Ouais, non, là, je pense que vu que l'enchantement et le forgeage, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je peux repasser mon filtre en very strict. Peut-être même en uber strict. Ok, là va y avoir plein de pièges. Il faut désamorcer. Oui, je pense que je peux certainement mettre les centurions de Dwemer par terre. Enfin, centurions, je sais pas, mais les sphères, oui. Les araignées aussi. C'est worth d'enchanter les armes. Ouais, c'est pas mal, mais moi j'ai tendance à pas le faire parce que si tu mets un siphon de santé, ça casse le jeu, je trouve. Et j'aime pas devoir les recharger en boucle, ça m'ennuie. Du coup, en général, j'enchante tout en double, grâce à effet supplémentaire de niveau 100 d'enchantement. Mais je mets jamais rien sur l'arme. Juste des montants de dégâts ultra élevés sur l'arme. Enfin, juste. J'ai beaucoup. La maîtrise pour charger avec le bouclier, c'est le truc tout en haut. Que tu déverrouilles au niveau 100 de la parade. Attends, il y aura peut-être des pièges ici. Et là, je me rappelle, la première fois que j'avais fait cette quête avec le mage de guerre, pas loin après, là, on va tomber sur un Chorus faucheur, un truc comme ça. Et il va tout simplement me massacrer. Enfin, il m'avait massacré et j'avais dû fuir. Ah, mais là, je suis tellement haut niveau que c'est des trucs volants. Attends, est-ce qu'on peut le mettre par terre? Ok, ça le déstabilise bizarrement. En vrai, ce qu'il m'a mis avec un petit coup de pâte qui m'a même pas empoisonné? Non, non, tu vas pas faire ça. Il y a un point dans la maîtrise de l'enchantement qui recharge ton ordre tout seul. Alors ouais, mais je crois que c'est pas ouf. C'est là. Ouais. Siphon spirituel. Les coups de grâce aux créatures, pas aux personnages, capturent 5% de l'âme de la victime permettant de recharger l'âme. Ouais, c'est pas mal, mais au-delà du fait que ce soit chiant, c'est aussi beaucoup trop fort. C'est pour ça que j'ai tendance à pas jouer ça. Surtout avec un tel niveau d'enchantement, je vais certainement créer quelque chose qui rigole vraiment pas. J'ai pas envie de me retrouver avec un siphon de santé complètement pété. Ce sera très bien comme ça, vous inquiétez pas. J'ai déjà fait plein de LP en légendaire. Je sais faire pour qu'un perso soit bien fort et que ce soit agréable de le jouer parce que tu peux te balader dans plus ou moins tous les contenus sans avoir peur de te faire déchirer par tel ou tel truc. Mais tu croiseras quand même des adversaires capables de te mettre en difficulté. Ok, il y en a encore un autre. Bah au final, les trucs volants, c'est considéré comme plus fort que les faucheurs. Ouais, c'est pas étonnant en soi. Après, s'ils sont jeunes, ils sont vraiment pas bien forts. Ok. Faire attention aussi. Il peut y avoir des falmeurs. Et les falmeurs sont très sneaky. Ils peuvent te faire des jumpscares. Ils pop sur ton écran de n'importe où. Ok. Tiens, on va tester contre la sphère. J'imagine que ça marche, mais... Oui, ça marche. Y a pas l'animation où je le projette, mais ça le déstabilise bien. Tu peux jouer au foot en chargeant avec eux et avec ton bouclier. Non, ça marche que sur les cibles. Le mieux, c'est de prendre une poule pour ça. C'est d'ailleurs un jeu auquel j'avais pensé hier. Bah, je vais vous raconter les règles cette fois. Et c'est un jeu qui ne demande même pas de sub à ma chaîne. C'est extrêmement rare comme jeu ici. Et en fait, tu prends une poule qui n'est pas liée à des gardes ou quoi. Tu prends par exemple deux objets comme ça.
Là tu peux pas les bouger, donc des objets que tu peux bouger, genre ça par exemple, un bol. Merde, j'ai pris le bol, regardez. Bol Dwemer, on le pose. Voilà, tu déplaces le bol, mettons tu le mets là, tu vois. On va faire tomber un autre truc. Des bandes de cuir, voilà. Voilà, et de là à là, on va dire que c'est des buts. Tu prends une poule, tu charges la poule en boucle, et le but, c'est de réussir à mettre un but, justement. Mais... faut que la poule soit loin des buts, sinon c'est trop facile. Et t'as genre 3-4 coups de bouclier avant que la poule meure. Et du coup, le but, c'est de mettre un but avant que la poule meure. Parce qu'après, tu peux plus taper dedans. C'est un jeu que je suis en train de développer. Réalisable sur Skyrim uniquement. Mais je pense que ça a du potentiel. Les bandes de cuir, plus besoin. Ah, quoique si le cuir, t'en as toujours besoin. Ne vous inquiétez pas, les bandes de cuir, c'est vraiment pas ce dont vous manque. Les forgerons, là. Avec un, ils te vendent toujours du cuir et des bandes de cuir. Et avec un de cuir, tu fais 4 bandes de cuir. Aise. Ok, là ça mène à quoi? Plus de carabistouilles? Ok, ça a l'air d'être là pour la vraie suite. Donc j'imagine que là c'est juste des richesses en plus. Ouais, voilà. Oh putain les gars, ça faisait longtemps. Difficulté de maître. Difficulté de maître, let's go. Ok, 97 crochets, c'est parti. Ok, c'est pas par là. Pas par là non plus. Pas par là, j'ai l'impression. On va voir un peu plus à droite. Ah, j'ai cru sentir quelque chose là. Non. Peut-être un peu plus bas. Non. Ok, j'ai fait un tour complet, j'ai pas trouvé. Ça veut dire que j'ai mal fait un tour complet. C'est si dur. Non. Et si on fait dès le début tout simplement? Non. Ah. Au gauche. Au gauche les collègues. Putain, j'y étais presque. Encore une fois. J'y ai cru. Let's go. Eh, hey, ça va, 17 crochets. Bon, c'est pas une bonne perf, mais c'est pas non plus un drame. Tout ça pour 2 pièces d'or. Let's go. Ok. Et là, y'a quoi? Il va y avoir plein de trucs en bas? Non. Peut-être qu'ils vont sortir. Ils vont sortir de ces trucs-là. Je le savais. Il va y en avoir d'autres. Ok, il y a une sphère. Ah non. Si, il y a une sphère en haut, je me disais bien. Un sou, c'est un sou, exactement. Est-ce que ça a poussé la sphère? Non. Il y a des trucs qui peuvent me pousser ici. Ah, c'est uniquement avec les plaques. Et du coup, tu es censé... Ok. Allez, on continue le donjon. Je sais plus à quel point il est grand. Je crois qu'il y a un moment où il y a des araignées géantes aussi. Ou au moins une. Et peut-être qu'elles seront remplacées par autre chose vu que je suis très haut niveau. On va voir. Go, troisième personne. Go dans la brasserie. Alors, tous les automates sont morts. Bon, on sait qu'on est en territoire Falmer là maintenant. Donjon de Wemmer, c'est toujours interminable. C'est souvent assez balèze, ouais. Un garde nuit. Ok, ça va. Je lui fais des dégâts corrects. Putain, il m'a empoisonné.
Ça va être le gros problème des Falmer, leur putain de poison. Attends. Eh mais je peux les mettre par terre. Bah oui. Tranquillement. Et ouais. Rarement des trucs super cool sur eux. Ok, là y'a rien non plus. Ok. La sphère est cassée. C'est un mage ou pas lui? Il a un arc. Ou le foutre par terre. Un garde nuit. En vrai ça va. Si c'est des garde nuit et pas des belliqueux, c'est ok. Et tant qu'ils sont un par un, c'est ok aussi. Non, l'armure Falmer, elle est horrible. Je n'équiperai pas cette merde. Alors là, il y en a un rôdeur. Rôdeur, c'est faible, je crois. Et là, il y a un autre truc. Un garde nuit, mais c'est un mage. Bon, on va commencer par le rôdeur parce qu'il va casser les couilles. Ok, c'était peut-être pas la bonne solution. On va commencer par le mage parce qu'il va casser les couilles. Putain, je dois éviter l'autre. Ok, j'ai besoin de me soigner fast. Merde, pourquoi ça l'a pas? Voilà. Et toi aussi. C'est un retardement le coup de bouclier, hein, c'est normal. Mais il fuit. Il fuit en discrétion, ça a aucun sens. Bon. Go crocheter les serrures là. Difficulté de mettre. Et là-bas c'est quoi? Difficulté de mettre aussi ou pas? Ah non, là y'a rien. Ok, c'est parti. Nouvel adversaire, porte, difficulté de mettre. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance? Oh! Presque perfect. C'est un haut gauche aussi. Mais merde. Mais bordel de merde. Ah, ça frustre. À chaque fois t'es si près. Mais tu n'es pas assez près, let's go. Un point de crochetage en plus. Oui, la latence entre le fait que tu le percutes et le fait qu'il s'envole, c'est bien con. Alors là, il y a un truc volant. Là sur le côté y'a quoi? Rien, un coffre. Eh, une armure de verre, ça rigole pas. Ok, c'est pas un jeune. Les jeunes sont relativement faibles, mais les chasseurs, s'ils m'empoisonnent, peuvent me casser les couilles. Après, tant que c'est du 1v1, on est fine. Ça c'est vraiment ce que je préfère, l'exécution des chasseurs Chorus. Bien leur écraser la tête là. Bien leur briser le crâne là. Y'en a encore. Oh bordel de merde. Ok, il faut utiliser le couloir. Dans ce genre de situation, il faut utiliser la technique du couloir. Après c'est un jeune. Ok. Tu arrêtes. Non non non, là c'est la merde. Faut pas les laisser faire ça. Un autre? S'il vous plaît monsieur, un autre. Ok. C'est reparti. Ok, vous voulez jouer comme ça? Très bien. Ah bah ok, super. Mais c'est si bugué. Tiens, toi là. On va s'occuper de ton cas. Ok, le garde-nuit n'est plus. Faut que je me soigne.
putain, ils m'ont dû l'empoisonner. Après, ça va, c'est des jeunes chasseurs. Non, ça va pas, le poison, c'est broken. Suis-je mort? Non. Ok. Bon. C'était compliqué, mais bien moins compliqué que prévu, du coup c'est cool. Espic, merci pour le Prime. Merci à toi, monsieur. Ok, il y aura d'autres trucs. Attends, on va se soigner avant le prochain combat, là. J'abuse de la troisième personne. Je suis un abuseur. Ok. Merde! Oh, c'est un belliqueux, il y a un belliqueux. Putain, les belliqueux. Ça veut dire que je vais avoir le niveau pour faire pop les belliqueux. Bon, écoutez, faut très vite buter le garde nuit. On va gérer un problème à la fois. Voilà. Ok. Putain, heureusement que je peux abuser de la parade, hein. Si je pouvais pas abuser de la parade, c'était tout maître là par exemple. Enfin, de la parade. Du coup, le bouclier. Ok, lui, il est mort. Maintenant, faut s'occuper de lui. Il va pop. Ok, c'est bon, j'ai eu le temps de muer l'avant. Heureusement, sinon ça allait vraiment me casser les couilles. J'arrive pas à prendre le bouclier. Bon, on va être donc face à des belliqueux, mais avec un peu d'arnaque, ils sont gérables. Et tant qu'il n'y en a pas plusieurs en même temps. Quoique plusieurs en même temps, faudra mieux gérer l'arnaque, mais je pense que ça reste gérable. Alors là, il y a... Hop. Petit coffre ici. Ok, lui c'est un garde nuit. Les chérus sont imbonquables. Alors tu peux les bonk, mais l'effet est vraiment pas ouf. C'est genre tu les déstabilises pendant un court instant, autant leur mettre un coup de bouclier. Un peu l'anti-jeu, ça passe exactement. Obligé d'utiliser cet anti-jeu. Tant que j'ai pas l'armure que je veux. On s'en servira encore après, mais on abusera moins. Alors là c'est quoi? Encore maître! Bordel, y a tellement de trucs de maître ici. Et... Ok. Monsieur. Ah. Ok, c'est gauche. Mais bien la gauche. Let's go. Let's go ça. Et là il y a quoi? Un petit point d'altération. Go, rester en troisième personne. Les ruines de Wemmer, c'est si spooky. Il peut y avoir des trucs spooky qui sortent de n'importe où. Là, il y a un truc spooky derrière ça. Un jeune chasseur, je crois. Ah! Vous voyez? Il m'a spooké! Il a fait genre, il était autre part! Alors qu'en fait, il était là! C'est vraiment une honte qu'il soit capable de t'empoisonner via le bouclier. Mais bon, on joue pas à Skyrim pour son réalisme. Oh oui! Et voilà, on met un penalty. Un penalty dans cette merde. Pour lui apprendre comment on imagine la vie. Alors là, c'est une serrure d'apprenti, mais attention. Ok, c'est bon.
J'allais dire se méfier des sirops d'apprentis, mais en fait ça va. Attention au spook. Ok, on regarde bien partout. Oh putain. Il y en a deux. Il y en a un, c'est un mage, mais c'est un garde nuit. Et lui, c'est pas un mage, et c'est un garde nuit également. Du coup, lui, on va le bonk. Et on va s'occuper de son pote. Qu'est-ce que j'aime le bouclier, bordel. Go se remettre un peu de soin, là. Ça peut vite dégénérer avec leur poison. Tu fais pas trop gaffe et paf. Alors, elle a quoi sur lui? Il y a peut-être du spook derrière. Attention. Ok. Non. Là, ça mène à la suite du donjon. Et là, ça mène à quoi, du coup? Y'a rien. Ah. Attention, il y a du spook là. Oh, bordel. Je me suis fait spooker par les pièges. Et encore un autre chasseur. Il y aura des coffres à prendre. Putain, il me rafale tellement. Vite. Alors là, il y a quoi? Hop. Ok, de toute façon, j'ai beaucoup de poids sur moi. Je suis vraiment tranquille là. Et on va pouvoir aller vers la suite du donjon. Putain, c'est cool de pouvoir faire le donjon maintenant. On va pouvoir se rapprocher du dragon. Il y aura peut-être encore l'attaque de fort d'hiver après cette quête. Je sais pas. Je sais plus exactement quand c'est. Non, je crois que l'attaque de fort d'hiver c'est... Oh, je sais plus. En vrai, je sais plus. Bon, alors là, il y en a un. L'important, c'est d'avancer la trame. Oh, ça faisait longtemps. Mais presque manqué. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'archer. Ah, le bouclier abuse, c'est vraiment my drug. Ma passion. De dégoûter des intelligences artificielles avec des coups de bouclier en 1v1. Attention au spook. Troisième personne. Ok, les deux trucs mènent au même endroit. Un petit coup de carte, ouais. Oh! Je me suis fait spook. Et là, il y en a un autre ou pas? Ouais, il y en a un autre juste là. Un autre ici. Putain, on va y en avoir plusieurs en même temps là. Ok, le mage. Putain, c'est un pelliqueux. Putain, il y en a encore un autre. Après, c'est qu'un simple rôdeur. Le rôdeur est aise. On va commencer par buter le plus faible. Parce que retenez cette phrase. Une équipe est aussi forte que son pire joueur. Donc il faut toujours appuyer sur les points faibles. N'oubliez jamais. Et maintenant, on bonk. On lui montre comment on imagine la vie. Ok, il essaie de se heal, mais ses heals sont misérables. Ok, c'est parti pour l'autre. On a eu le bruit de complétion, c'était donc le boss du donjon. Enfin, le truc considéré comme le boss du donjon. Et là, c'est parti, on va se foutre de sa gueule. Il a pas le talent pour bouger son arc suffisamment vite. Sauf quand tu es le plus faible de l'équipe, tu level up l'équipe. Bah ouais, vous avez raison. Elle veut rien dire, ma phrase. Bah ouais, si tu tues le plus faible, du coup, vu que c'est en fonction du plus faible, bah t'élèves le niveau de l'équipe. Ok. Bon, je sais plus c'est quoi la phrase exactement, mais n'oubliez jamais. Ne l'oubliez surtout pas. Nécessite une clé. On a le cristal était sur le Falmer. Et pour la clé, c'est en bas ici.
Et là, c'est juste un coffre en plus, je crois. On va aller voir. Peut-être un truc qui te permet d'aller à l'ascenseur. On va voir. Ah, c'est par là, gauche. Mi-gauche. Genre, là, par là. Plus vers le bas. Merde. Bon, qu'il faut se concentrer. Et voilà. Dès que je me concentre, c'est aise. Il suffit de se concentrer, les gars. Et maintenant, il faut aller buter la racaille qui est en bas. Il y aura du spook ? Ça sent le spook. Personne ici ? Il y aura forcément des gens par là. C'est une arnaque. Ils nous leurrent dans un sentiment de sécurité. Faites attention. L'arnaque peut être partout ici. Levez les boucliers. Ok, non ? Personne qui a une clé sur lui ici ? Non ? Du coup, c'est là ? Ah ah ! On va voir si on peut le percuter. Alors tu peux le bonk. Tu peux le bonk, mais ça ne met pas par terre. Normal. Mais tu peux le bonk. Je m'attendais à ce que tu puisses pas. Et que ce soit considéré comme un géant. Parce qu'un géant, tu peux pas du tout, par exemple. Ils se sont tous fait massacrer par le gardien centurion Dwemer. Tant que t'es bien à son cas, qu'il peut pas te faire la fumée. Je lui ai tranché les genoux. J'ai tranché les genoux d'un golem d'acier. Alors, on va prendre ça dans le doute. Ouais. Mais du coup, là. La fameuse clé. Elle est là-dedans. The key. The key est là-dedans. Et ouais. Allez, c'est parti, on va finir la quête. J'allais dire la continuer, mais non, là c'est clairement la finir. Bah ça va ce donjon au final. Il m'a fait très peur pour pas grand chose. Suffisait d'abuser du bon qui en est bon. À quand LP couteau fourchette. Ambidextrique cannibale couteau fourchette. Est-ce qu'on est capable de buff un couteau et une fourchette à la forge? Si oui, je signe. On peut rendre tout OP. Alors, monsieur. Gavros, c'est vous? J'avais presque perdu espoir. Je m'occupe de la porte. Merci, monsieur. Qu'est-ce que... Mais... Que faites-vous ici? Alors, votre ami Gavros est mort. Les Palmer qui ont fait le coup, non? Les maudits. Ils ont tout fichu en l'air. Si Gavros est mort, il n'y a plus aucun espoir. Il devait revenir avec le cristal. Sans cet objet, tous nos efforts auront été vains. Et vous? J'ai le cristal. Si vous êtes là pour... La première fois, ça n'a pas marché. Ben voyons. Gavros a dû le faire... Ouais, ouais. Et voilà, il se trouve que je l'ai... Oui, c'est bien ça. Mais au fait... Qui êtes-vous? Je fais partie de l'Académie de Fort d'Hiver. Savos ne nous a même... Je vais être franc. Venez, je vous expliquerai en chemin. Allez, dis-nous tout. Et là, on ne peut pas encore. Ah oui, si, là, on peut. Et là... Ah, merde. Attends, je re... Re, frérot. Ok, c'est bon. Ça l'a pas bugué. Exactement, j'avais besoin d'air frais. Tous ces cadavres de Falmer, ça pue. Déjà que de base, ça pue. Ah mais oui, là, ça va être le fameux moment. Oh bon Dieu. Nombre de viewers sont tombés au combat ici. Nombre de viewers ont perdu leurs moyens et se sont mis à backseat. C'est un véritable cimetière de viewers ici.
Il y a tellement de cadavres de comptes Twitch. Et voilà. Magnifique, n'est-ce pas ? Oui, c'est magnifique. Pour mettre cette machine en marche a demandé énormément d'efforts. Placez le cristal dans l'appareil central et nous entamons. Ah, Toxico a préféré prévenir que guérir. Habile. Alors, il faut placer le cristal dans l'objet oculaire. Attends, c'est en bas. Ah non, c'est au milieu. Ah oui, et pour le placer, il faut faire un truc. Alors, vos yeux, allez voir. Là, il y a le froid mordant et les flammes. On va donc apprendre le froid mordant, je crois que je l'ai pas. Let's go, maintenant je l'ai. Et là, rien ne fait rien, c'est normal. C'est donc parti pour magie, destruction, on veut les flammes et le froid mordant. Voilà. Là, par exemple. Faut se rapprocher. Attends. Attendez, il faut juste que je me rappelle. Mais je crois que mes flammes, elles ont pas la range. Alors que le froid la range, attendez. Très important de faire ça correct. I'm Stinky, merci pour l'abonnement. J'oublie à chaque fois. J'oublie. J'oublie toujours. Comment qu'il faut faire déjà? Placer le cristal dans l'objet oculaire, oui. Oui, oui, oui. Oh! Mais oui, il faut commencer par placer ça. Et maintenant on peut faire les choses. Ok, c'est parti. Alors maintenant il faut faire en sorte que ça se soit là-dessus. Là par exemple. Ah, attendez, ça va me revenir. Ou c'est peut-être directement là-dessus. Oui, 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 oui. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Alors, maintenant que c'est fait, c'est avec ces boutons qu'on bouge les trucs. Et là, par exemple, il faut... Ok, ok, ok. Oh les gars, c'est tellement aise en vrai. C'est tellement aise. Ah mais là, j'ai pas la portée. Voilà. Ok. Et là, ouais. Et là, regardez. Voilà. Il a peut-être un peu plus. Ah oui, avec le feu, on peut... Ah ! Et si on fait un mélange ? C'est réussi! Et là, regardez. Là, celui-là, on va le mettre par là. C'est super simple, les gars, c'est tout con. Ne vous inquiétez pas, c'est tout con. Atra, Step, Skyrise et Amstinky, merci beaucoup pour tous les abonnements. Et là, regardez, et deux, hein. Ok, celui-là, faut l'emmener par là. Oui, 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 oui. Et là, du coup, il s'est bloqué. Et boum! Et lui, on veut l'emmener là. Mais c'était aise! C'était si aise, les gars! Si easy! Ouais, des interférences.
Quelque chose à fort divers. Oui, c'est l'œil de Magnus. Cherchez-vous à me retarder dans mon travail. Oh, mais tu me casses les couilles déjà que je t'ai sauvé la vie, toi. Ouais, et maintenant? Alors, vous savez ce que nous tentions de faire? Eh bien, expliquez-vous. Eh bien, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous feriez mieux de vous calmer. Vous, oui, voilà. Votre académie avait réduit à néant des années de travail. Les Falmer, comment avez-vous fait ça? Eh bien, je comprends pas ce qui vous met dans cet état. Regardez. Oui. Il devrait être plus brillant que le ciel nocturne. Mais vous avez quelque chose à votre académie, n'est-ce pas? Quelque chose de bien. Vous voulez parler de l'œil de Magnus? L'œil de Magnus? Oui. Si cela signifie bien ce que je crois, voilà qui est intéressant. Ok. Vous pouvez m'aider? Ah oui, le bâton. Intéressant. Ouais? Je ne peux pas vous l'expliquer en détail. Cela me forcerait à révéler de nombreux secrets que le Synode préfère garder. Je doute que vous soyez capable de... Attends, j'ai une idée. Au lieu de projeter le ciel, nous projetons tout Amriel. Puis nous exploitons les énergies là. Ce qui compte, c'est que ce travail a été réalisé pour nous révéler des sources d'immenses pouvoirs magiques. Mais bordel! C'est uniquement pour... Il refuse de se faire glitcher! Et pourtant, au final, l'autre, ce ne peut être que le labyrinthe. Alors, Mal, soit vous n'avez fait que me mentir, alors filez donc au labyrinthe pour chercher votre fiche. Ce n'est pas terminé, je vous le garantis. Oh que si! C'est terminé! Arrêtez! C'est terminé, tu vas rien faire du tout! Et jette ton cadavre! Je le jette! Je le jette! Attends, quoi? Quoi? Mais non! Je peux même plus le fouiller! Ok, bon, il est bugué! Il est hard stuck! Avez-vous déjà vu le planétaire à la cité impériale? C'est cet endroit qui nous a donné. Oh non, j'ai fait une mauvaise sauvegarde, je vais devoir me retaper tout ça! Faudra faire une sauvegarde au moment où je décide de lui péter la gueule! Nous exploitons les énergies là-dedans. Ce qui compte, c'est que ce travail a été réalisé pour nous révéler des sources d'immenses pouvoirs magiques! Mais laisse-toi bonquer! Pour défendre l'Empire. Et pourtant, au final, seuls deux lieux nous ont été révélés, dont votre académie. L'autre? Eh bien, ce ne peut être que le labyrinthe. Mais... Tu triches! Alors? Oui. Je vous le garantis. Eh bien... Enfin, oui, le conseil en sera informé. Et il découvrira ce que vous mijotez. Alors, petite sauvegarde. Rends-toi! Je crois que... Et donne ton or! Hein? Ah. Ok. Et on va pas en rester là. Je vais prendre ton corps. Je vais traîner dans la pente. Et on va aller encore plus loin que ça. Fallait pas me casser les couilles. Je le sauve et il me part mal. Et en plus, il dit devant moi qu'il va aller me dénoncer. Me dénoncer de quoi en plus? J'ai rien fait, moi. Du coup, on le fouille. Voilà. On sauvegarde et... Merde. Voilà, ça lui apprendra. Il a bien retenu la leçon, là. Et maintenant, il faut quoi? Informer Savosaren. Let's go. Oui, c'est clairement de sa faute s'il est mort. Je le sauve, il veut m'agresser. On... Oh. Oh mon dieu, Soupex veut me parler. Vous avez fait du bon travail jusqu'ici, mais les véritables épreuves vous attendent. Vous devez impérativement retourner dans votre académie immédiatement. Oui, c'est ce que je comptais faire. Nous vous demanderons de prendre des mesures immédiates. Relevez le défi et vous découvrirez de quoi vous êtes capable. Let's go! Vous êtes sur la bonne voie, vous triompherez. Ok, il faut se rendre à l'académie, bon ça on le savait un peu déjà, mais... Maintenant on le sait encore plus! Oui, c'est lui, c'est le véritable Soupex. Du coup, l'académie de Fort Divers, on en est loin ou pas? Ah, on n'est pas tout près. On n'est pas tout près, mais... Attendez, on va... Tac, tac. Ok. Il faut réussir à rejoindre l'académie de Fort Divers. On va commencer par mettre un repère ici. Et on va y aller. Je pourrais même courir le bouclier levé pour aller encore plus vite.
Là, je me soigne. Bouclier levé. Charge. Et c'est parti, on rush. Rush into Academy de Fort d'Hiver. C'est une nouvelle technique de course que j'ai mise en place. Ça permet de rendre ce let's play nos déplacements rapides beaucoup plus viable. Et c'est reparti. On peut même s'amuser à percuter des chèvres sur la route. Et ça, c'est super cool. Là, il y en a une autre. Même des lapins. Elle est trop bien l'OST ici. Enfin ici. Elle peut pop, elle peut proc à plein d'endroits. C'est trop con. Tiens, c'est quoi ici? Pourquoi il y a un poste de garde? Ah, mais c'est la Citadel Orc, bordel, j'avais pas fait gaffe. Je suis déjà à la Citadel Orc. Et bordel, la rapidité. C'est si broken. Allez, on continue. Le seul truc qui counter cette stratégie, c'est les pentes. Et le problème, c'est que dans Skyrim, bah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop, même. Tiens, j'ai une maladie qui réduit ma régénération de magie. Faudrait que j'aille me faire soigner ça, c'est à cause du smilodon. Alors, là, il y a Vendôme. Et là, là. Mais c'est bugué, l'indicateur. Voilà, c'est bien ce que je me disais, c'est bugué. Alors là, on va courir normalement. Attends, il y aurait peut-être des ennemis ici. Non, j'ai l'impression que c'est un camp de chasseurs pacifique. Ok, c'est parti. Et c'est par là qu'il y aura l'hôtel. L'hôtel pour se soigner. Merde! Ok, c'est bon, personne m'a vu. Parce que là, j'ai pas le droit de bonk les gens, ça fait des dégâts. Ok, personne m'a vu, j'ai pas de crime. J'ai pas de prime. C'est ça, c'est un bonk avec de la latence. Et beaucoup de latence, même. Ok, c'est parti. Il est un peu plus loin, l'hôtel de Talos, je sais plus exactement où, mais on va certainement passer devant. J'ai vraiment l'impression de contrôler une voiture, c'est incroyable. C'est quoi un bonk? C'est quand tu charges quelque chose avec ton bouclier et que ça fait bonk. C'est ce qu'on appelle un bonk. Le fait de bonk une cible, c'est de la propulser. Ah mais c'est même pas Talos, c'est Arkay. Ok, c'est reparti. Ouais, je suis sur la bonne direction là. Ok, nous revoilà sur la route. Ok, on avance vers l'académie. J'espère que ça n'a pas le truc avec les fameuses énergies magiques à la con. Regarde, là par exemple, je vais faire un crime et je vais m'enfuir. Bonk. Et maintenant on court. Maintenant on s'enfuit. Bon, je pourrais tous les tuer, mais c'est beaucoup plus drôle comme ça. Je les percute et je me casse. Ils sont là en train de faire leur ronde. Et ils tombent sur un mec qui charge comme ça avec son bouclier. Qui les renverse et qui se casse. Tout en continuant de charger avec son bouclier. J'ai une prime. Merde, j'ai une prime. T'as raison. Ah. Eh bien, il n'y a pas 36 solutions pour faire disparaître une prime. On va s'occuper de ça. Bon, il y a juste un troll sur la route, là. Ok, c'est parti pour faire tomber la prime. Pas de témoin égale pas de prime. Pas de témoin, pas de prime. C'est vous qui me forcez à faire ça. Moi, je voulais juste m'amuser. Elle est incroyable cette exec. Elle prend très rarement, mais je la trouve trop classe.
attends, mais j'ai pas perdu de prime. Peut-être que j'ai pas tué le dernier témoin. Ou alors peut-être que j'avais pas de prime en premier lieu. Osef. Osef go chargé. Ça a fait de l'XP pour le une main dans tous les cas. Worse. Ils étaient pas 4. Non, le quatrième point c'était le troll des glaces que j'ai tué. Au pire, la prison ça fait quoi? Ça va prendre mes objets volés. J'ai rien comme objet volé sur moi. Quoi? Jure! J'ai combien de primes? Mais j'ai 42 primes! Ah mais c'est parce que j'ai dégainé? Ok c'est bon. Ça suffit maintenant, rendez mes chaussures. Tiens ils ont pris mes... Ils pourraient pas les gemmes étranges quand même, non c'est bon. Oh j'avoue ça me fait faire un fast travel. J'y ai même pas pensé. Je vous jure j'y ai même pas pensé. De toute façon j'étais limite à côté du truc. Ah! Ah! Donc vous avez décidé de me casser les couilles pour ça alors que j'avais même pas calculé. Très bien. Eh bien, si c'est comme ceci... Ouais. Bon, on va récupérer la prime. Pitié, monsieur. Mais j'avais même pas calculé en plus. Je pensais juste payer la prime. Je pensais pas pour 40 ça te faisait faire un TP. Ah oui c'est vrai, y'a ça. Alors je sais où trouver le bâton de Magnus. Parfait, je proposerais bien d'aller récupérer immédiatement. Mais nous devons d'abord dérégler des affaires pressantes. Ancano s'est débrouillé pour s'enfermer dans l'entrée. Il mijote quelque chose et je compte bien l'empêcher d'agir. Ok, faut tabasser Ancano. Alors, magie, destruction, flamme. C'est bon ou pas? Les gars, je donne tout là, je donne tout! Quoi? Ok. Tu arrêtes! Mais je ne peux pas le bonk! Il est imbonkable! Faut faire quoi? Ok. Mirabel Ervin. Je crois que ça va. Ancano est en train d'utiliser cet objet, cet œil, on ne peut pas l'arrêter. Je n'ai pas vu sa bosse depuis l'explosion, elle est peut-être blessée. Il faudrait que nous trouvions l'archimage et vite allez dépêchez-vous. Ah oui, c'est vrai, il faut trouver sa bosse. Mais où être donc Savos? Oh non, il est être mort. L'archimage Arène est mort. Mais le temps presse. Je ferai ce que je peux ici. Allez, partez. Est-il mort? Reposez ça. Excusez-moi, je voulais juste... Enfin bref. Attends. Assurez-vous que Fort d'Hiver soit en sécurité. Je veux voir un truc avec l'archimage. Juste un tout petit truc. Promis, après j'arrête de jouer avec les cadavres. Mais vous savez, j'aime vraiment beaucoup ça, jouer avec les cadavres. On peut pas le fouiller. Et voilà, non mais je veux dire, ça faisait désordre, on n'allait pas garder un cadavre ici. Qu'est-ce qui quoi? Pas le temps. Nous vous accompagnons, mais j'exigerai des explications quand tout sera terminé. Quoi, y'a quoi à faire là? Quête? Protéger Fort d'Hiver? Ah ouais, y'a cette merde! Cette merde, pardon. Oh non, ça va être la quête maudite. C'est la quête maudite ou pas? Oh bordel! Eh bien, c'est parti pour la malédiction, les gens. Je dois tuer 10 de ces trucs.
Et comme vous pouvez le voir, ils sont ridiculement tanky. Et en plus de ça, ils esquivent mes coups. Le bon côté de ça, c'est que ça me fait farmer de une main. Et bah c'est parti pour environ 5 minutes. 5 minutes à taper ces trucs. Est-ce qu'on peut les bonk? Ah, elles ont pas d'animation de bonk intéressante, c'est pas forcément worth. Allez, faut en tuer une. Celle-là, elle est en dessous de midlife. Ça peut être la première que je tue. Presque. Ok, et de une les gens, de une. Oh putain. Attends, dans chacun de ces trucs, il y aura une pierre comme ça. Si c'est le cas, ça va m'être vraiment bien pour l'enchantement. Sublime et chargé, oui. J'aime spirituel noir avec une âme sublime dedans. Ah, guys, I'm done, c'est trop chiant. Cette quête dans la guilde des mages n'était vraiment pas nécessaire. Déjà que la trame de la guilde des mages, bon, elle est plutôt bonne, mais... ça, c'est vraiment... c'est vraiment pas nécessaire. Et le truc, c'est que ceux qui sont censés m'aider, ils ne font vraiment pas de dégâts. Oui, elles sont également résistantes à la magie. Elles sont juste chiantes et lentes. Elles font pas de dégâts. Elles font pas de dégâts, elles sont dures à toucher, elles sont résistantes aux dégâts physiques et dégâts magiques. Et elles sont là, elles te cassent les couilles. Et en plus, elles font mal aux oreilles. Bon, go buter celle-là. On dirait qu'elle fuit, c'est bizarre. Non mais commencez pas à fuir en plus, les gars. Non. Ah non. Tu arrêtes. Non mais... je sais même pas c'est laquelle. Elle est où? C'est celle-là? Non. Ok, c'est celle-là. Ouais. Ok, 3 sur 10. Oui, les anomalies ont peur de moi, et ça m'aide vraiment pas. Elles font les mêmes mouvements que les spectres des glaces. Et les spectres des glaces, c'est méga chiant à affronter. Au moins, c'est Squishy. Ça, c'est même pas Squishy. Et un spectre des glaces, il y en a genre 3 maximum en même temps. Pas 10. Allez, on y arrive. Celle-ci, ça va être la quatrième. Tu arrêtes ta merde, mais... ah ! Fuite, pas autorisation. Ok, après celle-ci, la moitié sera faite. Ouais. Et là, 5 sur 10. Le pire, c'est quand on va falloir affronter ceux qui sont collés à des alliés. Bon, après, ça donne vraiment pas mal d'XP pour le une main, mais... mais arrête, arrête d'éviter, t'es déjà assez tanky. Tu peux pas être aussi agile et être aussi tanky. Faut choisir. Allez, bientôt 6 sur 10. Ok, 6 sur 10. Oh bon, là ça va être un merdier, on va plutôt essayer d'en choper elle qui est en train de bugger là-dessus. Oh, allez low life. Quel plaisir. Meurs. Oh, quel plaisir. 7 sur 10.
Allez, plus le 3. J'ai pris des dégâts de... bizarre. Allez, bientôt 8 sur 10. Putain, mais tu sers à rien, toi. Pas oublié de sauvegarder régulièrement, parce que si jamais je fais bugger la quête ou quoi, ce sera juste invivable. Wouh, 8 sur 10. Et maintenant, bon là ça va être la merde. Arrête, bouge, tu ne sers à rien. Bon, vas-y, je vais prendre celle-ci. Ok, bientôt midlife. Arrête de fuir. Arrête de fuir, je t'en supplie. Mais quelle grosse quête de merde. Pourquoi ils ont incorporé ça? Ça sert à rien. C'est même pas dur, c'est juste chiant pour être chiant. Ok. Allez, plus qu'un. Allez, c'est la dernière. On se remet un peu de stamina. Le midlife. Ah, et maintenant il faut aller informer Mirabelle. Allez, c'est reparti. Ouais, l'autre mage, mais full patate, on sait vraiment pas à quoi il sert. Ouais, peut-être que être mage, ça se mérite. Après tout, c'est pour accéder au dragon d'os, du coup. Du coup, faut peut-être qu'il y ait un truc super chiant avant. Pour rendre le truc plus méritant. Et Lanox, merci beaucoup pour les 11 mois de Prime. Tiens. Fort d'hiver en sécurité pour le moment, j'aimerais pouvoir en dire autant. Nanana. Allez, je file au labyrinthe. Oui, oui, il est là-bas. Ça vaut, ça vend sa mort, il m'a donné quelque chose, et là, elle va me donner un espèce de gond. Voilà, torque du labyrinthe, amulette de Savosaren. Elle fait quoi, l'amulette de Savosaren? Amulette de Savosaren, magie plus 50. Je peux faire bien mieux que ça, moi. Et... alors, le labyrinthe, c'est où? C'est ici. Et bah, les collègues, je pense que c'est le moment parfait pour s'arrêter, comme ça. Prochain stream Skyrim. On va au début du labyrinthe. On fait le dragon. On theorycraft et on crée l'armure et l'arme super cool. Et derrière, on va faire plein de quêtes. Vu que là, les deux derniers streams, celui-ci y compris... J'étais un peu stuck dans des trucs de farming pour pouvoir atteindre ça. Et là du coup prochain stream on pourra commencer par une quête sympa. Dragon, ossement, boum, on forge un truc super cool. Trop bien de faire du forgeage le matin en plus. Into plein de quêtes. Voilà les collègues, je m'arrête là. Et les minutes bonus. Oui, eh bien, my bad. Je pense que 7h30 c'était un petit peu court. Eh bien voilà, c'est ça le programme. Le programme c'est le prochain stream Skyrim. On fera ça, attends j'ai bien tout sauvegardé. Hop. Ok, j'avais bien tout sauvegardé. Voilà. Merci d'avoir suivi les collègues. Merci pour tous les dons et les abos. Et demain, je sais pas si... je sais pas. Je suis pas sûr à 100% que demain je ferai du Skyrim. On verra. Ce sera où du Skyrim ou...